Salut, c'est Rosalys. Aujourd'hui, je vous parle de ce livre « Vivre vegan » de Gwendoline Iseb aux éditions Livre de Poche. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions sur le véganisme un peu plus en détail. Et c'est vrai que moi, je vous ai surtout parlé de pourquoi est-ce que je devenais végane et l'impact que ça avait sur mon entourage. J'avoue que j'ai surtout envie de vous montrer que c'est facile d'être végane. Donc, en fait, avec des vidéos une journée dans mon assiette et vraiment des vidéos fun. Mais si vous voulez plus d'explications, je vous conseille ce livre. Il est vraiment très bien. Moi, à l'époque où je me posais beaucoup de questions, j'ai cherché surtout des résultats de recherche scientifiques ou des vidéos qui expliquaient vraiment en profondeur. Donc ça peut être très lourd, ça peut être assez culpabilisant, pesant. Moi, c'était exactement ce que je voulais parce que je voulais vraiment tout comprendre. Mais ce livre vous permet vraiment d'aborder tout le panorama de tous les versants qui vont vous amener à comprendre pourquoi être végane, les bienfaits du véganisme et vraiment de manière globale. Donc sans entrer trop dans les détails et pour autant sans oublier différents versants. Et ça se lit super facilement, vraiment je vous le recommande. Donc en fait, ce que j'ai envie de vous montrer surtout, c'est le sommaire parce qu'il est vraiment très bien structuré sur pourquoi devient-on vegan, comment devient-on végétalien, le véganisme au quotidien. Ce livre est écrit par une journaliste, mais elle a vraiment très bien fait les choses. Elle a interviewé plusieurs personnes de manière à avoir un point de vue scientifique, environnementaliste, mais aussi diététique. Ce qui est très intéressant surtout, c'est ses annexes. Si jamais, même avec ce livre, vous voulez encore aller plus loin, il y a des références de livres, même des bandes dessinées, des livres jeunesse, des références de blogs, de films, de sites web, de communautés, d'associations. Pour ça, je trouve que c'est vraiment très bien en tant que point d'entrée, comme dirait mon chéri, un point d'entrée sur le véganisme et de bonnes références pour aller plus loin. Ce qui est bien aussi, c'est que moi, je me suis vraiment dirigée vers beaucoup de ressources anglophone. Et moi, je vous parle en français. Il se trouve que des ressources en français, il n'y en a pas forcément tant que ça. Ce livre qui vient à peine de sortir est vraiment très bien en français et vous donne des références en français. Donc du coup, en étant français francophone, c'est vraiment une très bonne ressource pour le véganisme. Voilà pour la version rapide. Et juste pour aller un tout petit peu plus loin, si tu veux bien, je voudrais juste entrevoir un peu plus le sommaire. Donc ça, c'est le sommaire tel que vous le voyez. Et moi, en fait, je vais vous dire les gros titres un peu rapidement parce que ça résume vraiment tout très bien. Pourquoi devient-on vegan? C'est un peu ce que j'ai dit dans ma propre vidéo « Pourquoi je deviens vegan ?» Là, c'est très bien résumé aussi. Afin de préserver l'environnement et ses ressources. Lutter contre le réchauffement climatique. Préserver la qualité de l'eau et sa juste répartition dans le monde. Préserver l'écosystème marin. Permettre l'alimentation du plus grand nombre. Donc tout ça, c'est aussi quelque chose qu'on aborde, mon chéri et moi, dans nos différentes chroniques de films, notamment le film sur Pierre Rabhi ou alors le film In Organic We Trust. Donc ça se rejoint un petit peu en fait, toutes ces réflexions sur l'agriculture biologique, l'agroécologie et aussi pourquoi devenir végane. Tout ça se rejoint. Donc vraiment, pour l'environnement, c'est un très très gros enjeu. J'avoue que pour moi, c'est une très très grosse raison d'être végane. C'est vraiment quelque chose de clé. Des solutions d'avenir, le cas de la France. Ça, c'est très intéressant justement parce que à force de m'être documentée avec des ressources britanniques, américaines ou japonaises, en fait, je ne savais pas trop qu'est-ce qu'il en était de la France. Et là, du coup, c'est très intéressant. Et ensuite, pour les animaux. Et là, mon chéri, c'est ce qui le touche particulièrement, la cause animale. Des êtres doués de raison et de sentiments. Et en fait, moi, une fois que j'ai été convaincue, c'est là que moi aussi, ça m'a sensibilisée à la sentience animale, l'idéologie carniste, vie et mort des animaux d'élevage, plus particulièrement depuis l'ère industrielle. Donc il y a des chiffres clés à chaque fois. Donc on peut parcourir les choses de manière rapide, un peu en surface, et on peut aussi avoir de vrais chiffres, avoir une vraie prise de conscience, pas forcément avec des images choquantes, mais avec des chiffres. L'exploitation et la souffrance animale pour les loisirs, les tests sur les animaux pour la recherche, et enfin un gros volet qui est pour ma part la chose qui m'a amenée vers le véganisme, c'est pour la santé. Les risques sanitaires de l'élevage, prévenir les risques de maladies. Vraiment, vraiment, pour rappel, mon père a fait un infarctus, c'est là que j'ai commencé ma grosse réflexion. Les recommandations contre le cancer. En France, des recommandations fondées sur des préjugés. Je n'ai pas envie de dire de choses trop négatives sur ma chaîne. J'ai vraiment envie de faire les choses de manière constructive. Mais je vous encourage à vous renseigner là-dessus.
C'est vraiment important. Les intérêts économiques en jeu. Vraiment, je vous encourage à aller plus loin. Et enfin, c'est très intéressant aussi, un autre volet qui est le véganisme à travers l'histoire, une philosophie à l'épreuve du temps, où on se rend compte que le véganisme, c'est pas si récent que ça. Le végétarisme en tout cas. Le végétarisme des anciens, un engagement politique depuis les pythagoriciens en Grèce antique, les lumières et les fondements de l'éthique animale aujourd'hui, le spécisme, l'abolitionnisme, militants et célébrités, le véganisme en expansion. Demain, un monde vegan. Ensuite, c'est un gros volet sur et si on devenait végétalien, pourquoi et comment. Donc notamment, végétalien, ça ne veut pas dire uniquement fruits et légumes, ça veut dire aussi céréales, légumineuses, noix et graines. Ma nièce Jastar me disait, mais si tu ne manges plus de viande, il y a quoi d'autre? Mais il y a tout ça! En fait, finalement, ceux qui se limitent à manger de la viande, c'est ceux qui ont un régime alimentaire le plus pauvre. Il y a vraiment tellement de choses. Et donc aussi, ce qui est intéressant, c'est un tableau très synthétique. C'est vrai, c'est ça que je trouve, c'est que ce livre est synthétique et c'est une grande qualité, je trouve. Ça permet d'avoir un panorama sur les différentes vitamines, protéines indispensables pour avoir une bonne balance alimentaire. Au passage, ce n'est pas parce que vous mangez de la viande que vous avez une bonne balance en termes de fer, de protéines ou de vitamines. Au contraire, il y a de bonnes chances que vous mangiez trop de protéines. Donc les protéines, la vitamine D, le calcium, les oméga 3, très important, le zinc, iode et autres nutriments, la vitamine B12, très important si vous envisagez d'être végétalien. Donc procéder par étapes, tout ça montre qu'on peut le faire. Et également, il y a un petit volet recettes. Pour les recettes, je trouve que c'est plus sympa des vidéos YouTube. Et être vegan au quotidien. J'en parle pas forcément parce que je me tourne sur le côté fun du véganisme, mais ça concerne aussi l'habillement, ça concerne les loisirs, ça concerne vos chaussures, vos sacs. Être vegan, c'est aussi un certain minimalisme. Je pense que ça se voit en fait, le minimalisme qu'il y a chez moi, sur moi, sur ma manière d'être. Être vegan, ça passe aussi par les cosmétiques, cruelty free, donc sans cruauté, faire ses cosmétiques maison. Et pour ma part, ça rejoint aussi la réflexion sur l'écologie et le bio, c'est-à-dire que chez moi, par exemple, tous mes produits ménagers, lessive ou vaisselle, en fait, je les fais moi-même avec des produits naturels. Et tout ça, c'est à la fois bio et c'est vegan. Donc c'est avec le moins de pesticides possible, avec le moins de produits toxiques possible. C'est à la fois pour moi et pour l'environnement. Tout ça, ça se rejoint en fait. Et c'est vraiment pour l'avenir, c'est pour demain. Pour la planète, pour soi-même, pour les animaux, pour tous. Voilà, il y a aussi des recettes de désinfectants, de nettoyants, vos huiles essentielles. Voilà, voilà. Et une dernière chose qui est vraiment super, un dernier volet, c'est toutes les questions qui pourraient rester après la lecture de ce livre. Parce que ça résume vraiment tout très bien, mais c'est vrai que restent des questions phares qui sont: quel est le problème avec les œufs? Quel est le problème avec le lait? Pourquoi refuser le miel? Mais les plantes sont aussi des êtres vivants, peut-être qu'elles souffrent. J'ai tout de suite pensé au manga de Tsukasa Ojo, Sous un rayon de soleil, au moment où j'en suis venue au véganisme et au végétalisme. Et ça reste une réflexion en cours. Donc juste pour finir, il est nécessaire de réguler les espèces. Il n'y aura pas assez de place pour faire pousser des végétaux si tout le monde était végane. Donc bien sûr, il y a des vraies réponses à tout ça. C'est un petit peu... Je vous lis ça en speed, mais en fait, tout ça, en fait, c'est à contredire. Les humains ont toujours mangé de la viande, mais le lion mange bien la gazelle, lui. S'il faut prendre de la vitamine B12, c'est que ce n'est pas naturel. N'imposes-tu pas ton choix à tes enfants? Être vegan coûte cher. Les arguments autour de l'environnement et de la santé ne sont-ils pas centrés uniquement sur les intérêts humains? Toutes ces questions ont de vraies bonnes réponses, ce sont de vraies bonnes questions et il y a de vraies réponses à l'intérieur. J'avoue que moi je préfère les choses plus détaillées et ça c'est venu comme un petit peu un résumé final. Mais vous pouvez très bien commencer par ça et ensuite aller plus en profondeur avec d'autres ressources. Et voilà, je vous recommande vraiment ce livre, Vivre Vegan. Bye bye!
je ne suis pas sponsorisée, il n'y a rien, mais je vous parle de ce livre et je vous parle du véganisme en général parce que je trouve que c'est super important et je remercie toutes les personnes qui ont fait des livres, des vidéos, des articles que j'ai pu parcourir et qui m'ont amené moi-même à mieux réfléchir, à mieux envisager les choses. Je trouve que c'est super important pour l'avenir, pour la planète, pour notre propre santé, pour la santé de ses proches aussi. Et voilà, et dans mon entourage proche, c'est le deuxième infarctus qui survient, enfin qui est survenu hier. Et je trouve que plus que jamais, c'est vraiment super important d'envisager d'être végétalien au moins et d'agir pour la planète, d'agir pour son prochain. Pour moi, être végane, c'est aussi quelque chose d'altruiste, c'est vraiment essentiel. Je veux pas parler de choses trop lourdes, mais bon, il y a des vrais enjeux vraiment super importants. Parfait. Donc pensez-y. Bah, c'est un super message. Et encore une fois, je remercie mon chéri de me soutenir dans cette initiative, de lui aussi essayer d'être végane, même si pour l'instant tu es surtout flexitarien, n'est-ce pas ? Ah non, je mange plus de viande. Ça s'appelle végétarien, ça s'appelle pas flexitarien. D'accord, excuse-moi. Et je te remercie aussi de m'encourager à être plus proche de la nature, à penser aux autres, à vraiment être plus dans cette démarche altruiste, d'accepter de me filmer aussi tout le temps là. C'est dur, je sais. Il fait tellement beau qu'on a envie d'aller se promener et tu es là à me filmer. Bon, merci pour tout. De rien. On a surtout envie d'aller manger du pain. Ouais, on y va. Zou. C'est génial comme environnement.